maison ici où, à l'époque, en Thermal, c'était la catastrophe. Et puis, il a fait comme ça que j'ai bien fait, parce que tout se transforme, tout devient bien. Ça va devenir une ville, c'est très intéressant. Il y a la forme. Moi je suis là depuis 67, j'ai dû rester là, je suis bien mon frère. Là où il y avait les bosques, là où vous avez été au marché, non? Moi j'ai connu, c'était des bois. Que des bois, toutes les tours là-bas, ça n'existait pas. On allait faire des cabanes, on jouait aux Indiens. Passer devant, là ils sont en train de tout démonter. Et c'est un bâtiment qui a été refait tout neuf. Et après, bon, après les gens, il faut les reléger. Il y a des gens, ils ont été relégés à Montreuil, il y en a à Bondy, il y en a à Bobigny. Je connaissais une famille qui est partie à Aulnay. Puis 4 ans après, ils sont revenus ici. On dit toujours que c'est mieux avant. Peut-être parce qu'on avait 15 ans. Hein? Avant c'était peut-être mieux parce qu'il y avait une vie sociale. Il y avait les gardiens, chaque bâtiment avait un gardien avec une loge. Non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien comme avant. Il n'y a pas, et puis même le bâtiment des États c'était un village. Maintenant c'est qu'un passoire. Ces dernières années, là vous voyez tous ces bâtiments qui vont être détruits. Il y a une dizaine de bâtiments qui vont tomber. Ils vont réhabiliter mais des petits bâtiments. Ça va fluidifier les transports. Ouais, ça va aider pour les jeunes, ils sont à Paris. Mais maintenant, faut voir une chose. Combien ça va nous coûter? Ah ben le ticket, bah oui. Oui, non, mais faut savoir aussi ça. C'est pas uniquement que faire des travaux. Paris. 2024. Voilà. On pourra même aller faire les Jeux Olympiques. Voilà, c'est... On va pouvoir aller là-bas faire on peut dire qu'on est à 2 minutes de Paris. Avec le super métro. Pour que ça bouge. Mais dans le temps, il y avait un tramway.